Alors, une affaire d'hommes et de femmes, bien évidemment. Je vais donner des flashs. La chose que j'ai trouvée magnifique d'abord, c'est la photo de Georges sur le diaporama. Je comprends pourquoi beaucoup ont eu envie de le suivre, déjà. Georges, quand on le croise, je crois que ce qui dégage, c'est son humanité. Bien sûr qu'il y a son histoire. Ça a été un chef d'entreprise. Et quand il parle de rencontres, bon, je crois qu'il y a des traits communs. Et j'ai trouvé formidable aussi que cette fondation s'appelle Traits d'Union. Il a envie de mettre en avant des hommes, des femmes bien évidemment. Il a envie de mettre en avant notre région. Il a envie de donner une tribune à ceux qu'on oublie ou qu'on ne montre pas. Il a parlé des aidants, je pense que ça c'est important aussi. Et puis son trait d'union, ça sera bien évidemment la bonne humeur, la joie de vivre. Alors moi sincèrement ce soir, avec mon entreprise, j'ai envie d'imaginer quelque chose et puis de faire parler d'eux, bien sûr.